Amil Karzai pose ses conditions à la signature du BSA, l'accord de sécurité avec les Américains. Le président afghan a rencontré hier la conseillère pour la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Susan Rice, et d'importantes divergences ont été constatées. Signer un accord sur les conditions d'un maintien de la présence militaire américaine après 2014, pourquoi pas? Mais les Américains doivent d'abord cesser les raids aériens et les arrestations de civils en Afghanistan. La Loya Jirga, l'assemblée afghane des chefs tribaux, a pour sa part demandé que les prisonniers afghans de Guantanamo soient libérés. Les rapports entre les autorités afghanes et les États-Unis se dégradent peu à peu, Hamid Karzai ayant ainsi déclaré cette semaine qu'il ne faisait plus confiance aux Américains. Washington, pour sa part, insiste sur le fait que le BSA est le seul moyen de lutter contre l'insurrection talibane en Afghanistan. Signé ou pas cet accord, un moyen de pression pour Hamid Karzai qu'il aimerait bien garder au moins jusqu'à la présidentielle d'avril prochain.